Composition d'un planning du jour J. Qu'est-ce qu'on doit trouver comme type d'information? Eh bien, écoutez, c'est simple. On va devoir retrouver toutes les informations qui vont régir toute la logistique du mariage dans un seul document que l'on appelle planning jour J. Alors, pour une journée de mariage, on va avoir tout ce qui concerne la veille pour le montage, le jour J, le jour de la célébration, et le lendemain pour le démontage. Bien entendu, ça évolue selon que vous ayez 2, 3 jours de mariage, de célébration. Est-il que le maître d'hôtel a bien confirmé avec vous où est Jane? Et quand il va lancer ses équipes sur les services de chaque table, il va pouvoir, bien entendu, guider également ses serveurs. Voilà pour le plan de table. Bien entendu, vous pourrez mettre sur pause et reprendre ces éléments-là de mon travail. Je vous ai mis aussi un exemple de liste alphabétique des invités. Donc, vous avez vu que moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je travaille par ordre alphabétique sur la base des prénoms. Alors, les deux services de l'entrée à 20h, on a servi un vin blanc, la Villadria Sauvignon, il y a 24 bouteilles. C'est une tatin de courgettes avec filet de rouget saisi, vinaigrette, condiments aux tomates confites, donc 112, 112 invités. Il y a une option viande sans gluten. Il y a un tartare de dorade condimenté vinaigrette gourmande pour 2 personnes. Et l'option végétarienne, c'est une tatin de courgettes, vinaigrette, condiments et tomates confites pour 1 personne. Donc, vous voyez qu'en fait, on ne peut pas se tromper et vous avez toutes les informations sur le même document. Donc, il est vrai que c'est un document qui va s'enchaîner, hein. Vous avez ici toute la liste et puis derrière, vous tournez et on aura commencé le matin avec les premières arrivées. En général, c'est les préparatifs, en tout cas sur le format de mariage que j'ai, qui est essentiellement des mariages étrangers, mais ça peut très bien être la décoration ou le loueur de mobilier, etc. Toujours est-il que, voilà, dès 8h du matin et jusqu'à 4h du matin, vous avez chaque ligne qui fait quoi, à quelle heure, et quand c'est la partie traiteur, on fait un récapitulatif de ce qui doit être servi. On en a terminé avec la présentation des outils. Donc, une leçon 3 plutôt très riche en informations. Je vous souhaite de créer des outils très performants. Vous allez voir, les tests vont vous aider aussi à resituer un petit peu toutes ces informations-là qu'on a données. N'hésitez pas à réécouter cette leçon et la vidéo de cette leçon. Je suis sûre qu'elle va pouvoir vous donner beaucoup, beaucoup d'idées pour développer les fichiers que vous travaillez très certainement jusqu'à présent. En tout cas, que vous allez pouvoir améliorer dès à présent.